Bonjour à tous, fidèles auditeurs de la chaîne panafricaine numéro 1 de l'actualité de l'information IRINFO. Nous espérons que vous allez super bien ce nouveau jour. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo que nous avons préparée spécialement pour vous, nous allons faire un petit tour ensemble du côté du Burkina Faso, où il y a de cela quelques jours déjà, chers auditeurs, on a appris avec désolation le décès du fidèle compagnon de l'ancien président du Burkina Faso, Boukari Kaboré, dit le lion du côté du Burkina Faso. Dans cette vidéo, chers auditeurs, nous allons enfin revenir sur les réelles causes du décès de Boukari Kaboré. Mais avant, chers auditeurs, si vous êtes encore nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant juste sur le petit bouton rouge s'abonner situé juste en bas de votre petit écran, ainsi que d'aimer cette vidéo. Et également, chers auditeurs, n'oubliez pas de souhaiter un RIP à l'âme de Boukari Kaboré, dit le lion du côté du Burkina Faso, afin que son âme puisse reposer en paix. Ok, chers auditeurs, dès lors que cette nouvelle a été officialisée du côté du Burkina Faso, plusieurs Burkinabés étaient réellement en deuil. Car, chers auditeurs, ils ont vu un grand homme s'éteindre à l'instar du fidèle ami de l'ancien président du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara. Chers auditeurs, voici alors que, selon les dernières nouvelles qui nous ont parvenues du côté du Burkina Faso, également dans le lieu où il était interné juste avant sa disparition, chers auditeurs, les réelles causes pour lesquelles il serait décédé seraient que celui-ci était sous le choc de voir son peuple se faire massacrer, alors même que des accords ont été passés avec plusieurs partenaires et que ces partenaires n'ont pas respecté leur devoir, c'est-à-dire d'aider les forces armées burkinabées à combattre le terrorisme. Mais plutôt, chers auditeurs, voilà les terroristes qui massacrent les populations dans plusieurs localités du Burkina Faso. Ceci a ajouté encore à la maladie de Boukari Kaboré. Cela n'a pas été facile pour lui, chers auditeurs, de gérer tout cela et il a rendu l'âme. Nous adressons ainsi à travers cette vidéo, chers auditeurs, nos sincères condoléances à la famille de Boukari Kaboré, dit le lion, afin que son âme puisse reposer en paix aux côtés des fidèles hommes qui sont battus pour la révolution du côté du Burkina Faso, exactement comme son ami le capitaine Ibrahim Traoré et Thomas Sankara. Nous allons vous donner, chers auditeurs, rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo pour un nouveau sujet très prochainement. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien.